Un groupe d'élèves du Collège d'Alma réalise un reportage sur le sommet des Amériques. À Québec, ils rencontrent des gens, réalisent des entrevues pour couvrir un événement attendu et pour plusieurs, redouté. Le nombre de commerces qui se sont placardés à la suite des événements d'hier, rien annonce ici une grande manifestation comme celle-ci. Contrairement à ce que les médias disaient, là, c'est pas vrai que le monde va là juste pour faire de la casse, parce qu'il y en a plusieurs, on les voyait, il y avait les deux bras dans les airs, puis tu sais, on voyait qu'ils voulaient, tu sais, juste se prononcer, juste dire qu'est-ce qu'ils pensaient, puis de manière pacifique, puis tu sais, les policiers bombardaient au maximum. Là. Les gaz lacrymogènes, c'est très, 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 très fort. La fille qui l'a reçue sa tête à genre 3 pieds de moi, là, ça m'a marqué. Je me suis tenue plus loin un peu après. Là. Puis moi, c'est sûr que le gaz lacrymogène, voilà. Je sais c'est quoi, là, mais je m'en serais peut-être passée parce que c'est puissant en tabarouette. Ce que j'ai moins aimé, c'est quand je suis allée avec Mélanie, on est allé en avant où une clôture, là, où il y avait beaucoup de manifestations. Puis à un moment donné, bon, les policiers sont partis, fait que tout le monde a avancé où la clôture. Puis il y a d'autres policiers qui sont arrivés par derrière. Puis ils nous ont bombardés de bombes lacrymogènes. Ça gèle l'être humain bien raide. Ça neutralise, on peut absolument rien faire contre ça. C'est nous autres, on était pris entre la clôture et entre la fumée. Il a fallu prendre une petite rue, puis c'était épouvantable. On pleurait des yeux, on savait plus où on allait, on était aveugles. Là, tout le monde courait à l'eau, puis tout le monde se passait à l'eau. Surtout le fait que ce qu'on voit à TV puis ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment différent parce que les manifestants sont vraiment passés pour violents puis pour mais dans le fond, là, sont super solidaires. La solidarité dans la foule, les médias, ce qu'on voit à la télévision, là, c'est accentué, c'est absolument pas ce qui se passe. Les personnes qui renvoient les bombes lacrymogènes aux policiers, là, c'est uniquement un travail de solidarité pour empêcher les gaz de prendre l'expansion dans la foule. J'ai été grandement surpris de ça. J'avais peur pour mon père, hein, parce que quand il est allé, là, j'avais peur qu'il revienne pas. Ils ont dû rentrer chez vous, il va y avoir des gaz. Ouais. Ben, c'est-tu, nous, d'en garder ici, un petit peu? Ils sont allés dans le quartier. Après, on dirait que les gens, ils veulent pas juste manifester, on dirait qu'ils veulent aussi s'amuser, comme. On se protège les gaz. On va aller prendre des images choc. C'est assez difficile de couvrir ce genre d'événement parce que carrément, il y a un problème de vision. C'est très dur d'être proche des événements et de voir. La solution, à cause des gaz, évidemment, mais la solution, ça serait vraiment de s'acheter un kit masque à gaz et tout. Mais là, à un moment donné, si les manifestants vont arriver, des journalistes, avec leur kit, leur bonbonne d'oxygène, c'est un peu provoquer les événements ou des choses comme ça. Donc, finalement, on reste avec nos affaires artisanales, notre foulard de laine, puis c'est difficile. C'est carrément difficile de voir les choses.
Je suis d'abord ici à titre de député de Taschereau, puisque le sommet des Amériques se passe dans mon comté ainsi que le sommet des peuples. Je rassure les gens et je viens prendre le pouls, je viens savoir s'il y a des problèmes. Là, il y a des gens qui m'ont demandé de faire certaines choses, je les fais pour eux, pour elles, alors je suis en contact. Je suis un peu le lien entre la population et le gouvernement, si possible. J'ai accès à certaines zones à l'intérieur du périmètre, puisque comme député, je dois pouvoir répondre à mes citoyens et citoyennes. C'est ce que j'ai demandé, on me l'a accordé facilement, mais je n'ai pas accès à des zones comme le centre des congrès, là où sont les chefs d'État, moi non plus à ce moment-là. On était victime de vandalisme, des fenêtres brisées. S'il y a des manifestants qui ont lancé des objets ou... On n'était pas ici. Ça s'est passé dans la nuit. C'est très malheureux. C'est pas nous, la mondialisation, nous. Je dirais qu'on a décidé de ne pas placarder parce que je faisais confiance aux gens en général. Je pense que les manifestants veulent s'attaquer beaucoup aux policiers. Ils veulent s'attaquer aux gens du sommet. Ils ne sont pas là nécessairement pour faire du saccage. Est-ce que vous croyez que vous allez être dédommagé par le gouvernement ou est-ce qu'il y a des compensations ou quelque chose comme ça? On l'espère, madame, parce que nous, on a des frais et on n'est pas du tout responsable de ces choses-là. Hmm? C'est pas nous qui sommes allés les chercher. On s'attendait évidemment à du grabuge au gouvernement du Québec. On avait été avisés. C'était assez difficile la journée d'hier. Il y a eu une émeute. En partant, les gens qui partaient de l'Université Laval, la marche devait être pacifique. Finalement, on s'est rendu compte qu'elle n'a pas été très pacifique parce que quand ils sont arrivés tout près du Grand Théâtre, ils ont jeté le mur à terre. Évidemment, les brigades anti-émeutes sont arrivées, ils ont repoussé les gens. Alors, ils ont fermé le secteur ici. Ils ont fermé pendant quelques heures, je dirais, de 3 heures hier après-midi aller jusqu'à 8 heures hier soir. Le secteur était carrément inaccessible. Il n'y avait pas d'autobus, pas de taxi, pas de piétons et c'était un petit peu la zone sinistrée. Juste à côté, évidemment, Shell, c'est une multinationale. Alors, ils ont fait défoncer un petit peu leur vitrine hier. Mais je n'ai pas senti nécessairement d'animosité. Nous avons pris la décision de fermer le restaurant dès l'entour de 5h, 5h30, parce qu'évidemment, on n'a pas eu de clientèle. C'est très, très mauvais pour la clientèle cette semaine. Si on dit que le sommet amène des gens dans les hôtels, ça amène pas beaucoup de gens dans les restaurants. Ça fait peur à la clientèle de Québec et ça fait aussi ça fait peur aux gens en général. En gros, en après-midi, ça a brassé beaucoup dans le coin, dans le secteur du Grand Théâtre. Moi, je suis arrivé peu après que la barricade ait été jetée par terre, en fait. Et puis, essentiellement, ce qu'il y avait, bon, il y a eu quelques roches qui ont été lancées contre les policiers et tout ça. Mais les policiers n'ont pas chargé. Ce qui s'est passé, c'est des tirs assez nourris là, de grenades lacrymogènes. Ben, les policiers avaient dit qu'ils s'en serviraient. Les policiers, ça fait des mois qu'ils parlent de ça. Je pense qu'il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Ils l'ont dit, ils le font. Ils n'avaient pas déployé des moyens semblables pour rester passifs ou pour rester derrière leur clôture. Parlant de clôture, toi, est-ce que tu as eu accès à l'intérieur du périmètre? Oui, j'ai accès, j'ai une passe. On a une super vue sur Québec, souvent une vue même panoramique. Ils voient très, très bien ce qui se passe. Ils voient qu'il y a des manifestations. Ils ont même probablement une meilleure évaluation des foules que nous, sur le plancher des vaches, on peut en avoir. C'est absolument impossible qu'ils ne soient pas conscients de ce qui se passe. Jusqu'ici, les gens se sentent assez en sécurité. Ce qui est difficile, c'est pour les personnes âgées. Vous savez, là où il y avait des images, oui, devant oui. Le Grand Théâtre, la première porte qui est tombée, juste à côté, il y a des coopératives de personnes âgées. Il y a une résidence de personnes âgées au coin de Turnbull-Lockwell où j'étais il y a 2 minutes. Je suis allée rencontrer les personnes. C'est sûr que ça, il y a une partie là, impressionnante pour ces personnes-là. Moi, j'ai plus de problème avec personne. Maintenant, moi, j'ai mon quartier aussi. Je suis chez nous ici. Là. Je connais les habitudes. Je sais comment faire. Je sais où aller. Là.
que mon copain a été incommodé. Il est venu me rejoindre ici pour voir comment ça se passait. Il a quitté ici pour s'en aller chez moi. Il n'a pas été capable de revenir. Il y avait beaucoup de gaz lacrymogène. J'habite tout près du Grand Théâtre, donc évidemment, toute la zone autour de l'appartement a été très, très protégée. Il y avait beaucoup de brigades anti-émeutes. Ça faisait tout le tour. Il y a eu beaucoup de bombes lacrymogènes dans le secteur. Il y a eu aussi beaucoup de manifestants qui étaient un petit peu épeurés hier soir. Il y avait à peu près 300-400 personnes dans ma cour hier soir. Je n'ai pas l'habitude d'avoir autant de visites. La langue aussi, moi je suis chez moi, alors les gens sont un peu perdus parce que c'est pas leur langue aussi, alors... Regardez ce que fait Nortel. Moi, j'ai perdu 200 000 $ à la bourse l'an dernier, mais ce sont les coupures d'emploi qui m'inquiètent. Je suis impressionné de la volonté de faire de la manifestation pacifiste. Ça a été très clair, tant du côté des manifestants, où la grande majorité était pacifiste. Je me promène aussi là, chez les citoyens de mon comté, dans les commerces. Les gens disent, la plupart sont pacifistes, veulent vraiment exprimer leur mécontentement face à la SDR. Ça, c'est super. Je pense pas qu'il y a eu d'abus de pouvoir dégueulasse, là, comme il a pu se produire ailleurs. Mais non, je pense qu'ils ont abusé des grenades lacrymogènes. C'était rendu presque impossible de circuler dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. À partir de l'heure du souper, là, même des gens qui ne voulaient pas manifester étaient incommodés par les gaz. Pour m'en aller, il fallait que je passe dans le nuage de boucan. Parce que les polices à gauche, il fallait que j'aille à droite. Fait que là, j'ai passé dans le nuage. Mais là, en rentrant dans le nuage, tout de suite, là, les yeux sont même piqués. Puis là, j'ai tout fait carrément. Je savais plus où j'allais. Puis là, j'ai vu un petit couloir. Là, il y a deux gars qui m'ont dit « T'es-tu correct? » Là, je n'étais pas capable de parler, rien. Puis là, ils sont arrivés avec de l'eau. Puis là, ils m'en ont mis partout les yeux dans la bouche. J'ai été sauvée dans Québec par des Anglais. Je suis aussi très satisfaite de ce que mon collègue, le ministre de la Sécurité publique, nous avait promis. C'est-à-dire que les policiers seraient assez passifs et essaieraient vraiment là, de rester sur le mode non-violence. Donc là-dessus, ça va bien. Bon, il y a des gens qui ont utilisé la violence, ça c'est dommage. J'espère que ça en restera là. C'est extrêmement important que le message anti-mondialisation passe. Si on veut qu'il passe, il faut que ça se fasse de façon non-violente. Des gens âgés, des gens qui avaient l'âge de ma mère, qui se promenaient, qui prenaient parti pour contre la mondialisation avec des jeunes qui participaient aux mêmes choses. Donc, cette espèce de foule-là, moi, ça m'a frappé la volonté de changer les choses. Puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Puis je trouve que ça embellissait quasiment la ville de Québec. C'était super. La marche du peuple, là, c'était plein à des kilomètres. On se pilait sur les pieds. Mais ça a fonctionné, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Toutes les races ethniques qu'il y avait de différentes, parce que les slogans des gens, c'était vraiment bon. T'as aimé ta journée? Ah, c'est splendide. J'ai pris du soleil en plus, j'en avais besoin. Puis en résumé, c'était une très belle journée, puis tout le monde a bien participé, c'était belle fun. À part les coups de soleil.